Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, on se retrouve donc pour une vidéo vraiment spéciale. Je sais pas si vous saviez, mais il y avait donc un live qui s'est fait sur YouTube et sur Periscope sur Bleach Brave Souls. Évidemment, gros moment puisque c'était pour les 2 ans ce live et en fait finalement il nous résumait tout ce qu'on pouvait avoir durant ces 2 ans et c'est juste insane ce qu'on va avoir. Et c'est pour ça que je vais faire une vidéo pour vous résumer en fait tout ce qu'il y aura, tout simplement pour vous dire ce qui va être fou. Et j'ai fait des screenshots de tout le live pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Faut savoir que pendant le live, donc, il y a eu, enfin, dès le début en fait, finalement. Donc j'ai les images devant moi, hein, c'est pour ça que vous allez entendre des petits clics-clics parce que je vais chaque fois changer d'image pour vous les détailler, etc. On avait donc deux gros invités, deux gros, très gros invités. On avait finalement donc Morita et Konichi, donc les seiyuu respectivement de Ichigo pour le premier et pour Izagi le second, qui fait également la voix de Keigo. C'est le pote à Ichigo là. Ichigo! Enfin bref, vous avez compris. Et du coup, ils étaient là pour, on va dire, promouvoir le jeu. Et finalement, ça fait un peu de fanservice. Et mine de rien, avoir le seiyuu d'Ichigo, c'est vraiment super intéressant. Et pour Izagi, en fait, c'est pour un autre truc qui va aussi se passer durant le live. Et du coup, c'était important, je pense, de les avoir les deux. Franchement, ça fait super plaisir de les voir. Moi, c'est un gros, je suis un gros fan hein, de Ichigo et de la voix de ce seiyuu qui est juste impressionnante. Imaginez que ce seiyuu fait la voix de Whis. C'est juste abusé, alors que Ichigo et Whis de Dragon Ball Super n'ont pas trop à voir au niveau de la voix. Bref, du coup, ils étaient 4, donc 2 qui présentaient un peu les news plus le jeu, enfin, on va dire ceux qui faisaient partie du développement du jeu, je pense, et donc les deux invités. Et du coup, on avait donc pendant le live la possibilité d'écouter donc des traducteurs, un qui faisait du français-anglais et une qui faisait de l'anglais. Comme ça, on avait un peu une traduction, on va dire, sur le moment, et c'était super cool. On commence directement avec le personnage donc emblématique qu'on a depuis quelques jours sur le logo du jeu. Donc c'est le fameux Ichigo 2 ans. Qu'est-ce que c'est cet Ichigo? Et justement, ils nous en ont parlé directement. Ils nous ont mis avant ça en fait plein, enfin toutes les animations des spéciales, des attaques ultimes si vous voulez, des persos depuis janvier jusqu'à maintenant. Et ensuite ils ont commencé avec celui-ci directement. Ils ont monté en fait le making-of du personnage. Qui en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente en commentaire, me fait penser finalement au moment où Ichigo perd son masque contre le Kyura quand ils ont fini leur combat. Il perd son masque, il garde les cheveux longs, il a toujours la couleur pâle, toujours un peu ses mains un peu bizarres. Et j'ai l'impression qu'ils se sont fait plaisir, ils se sont dit on va faire ça. Et en même temps, on sait que les gros fans ont lu le manga et savent que Ichigo a fusionné avec son Holo Vast Lordé. Et du coup, il a une moitié justement, avec un moitié visage avec le côté humain et un moitié visage côté corne. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un peu un mix de ces deux moments, je pense. Voilà, donc il y a plusieurs. Je vous mettrai souvent les images. Super cool d'ailleurs hein, de voir un peu le développement du personnage qui est juste vraiment. Il est insane. En plus de ses stats, vous allez voir, son gameplay est assez dingue. D'ailleurs, en parlant de gameplay, je pense que c'est plus simple de vous lancer le gameplay qu'on peut retrouver sur Twitter. Donc je vous le mets. 見せてやるぜ。俺の力のすべてをこの一振りで型を作り月月天斜。邪魔だ。邪魔だ。行くぜ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 。
pour Morita, il a choisi en fait forcément un gosse, un enfant, qui a fait le cosplay d'Ichigo tout simplement. Et je trouvais que c'était vraiment super mignon de l'avoir choisi. Et du coup, il a aussi gagné. Et le dessin qu'il a préféré. Et ça, je suis vraiment content parce que c'est pour moi le tome que je préfère. Il a choisi un dessin en fait qui représentait justement le tome 49. Donc vous savez, c'est Ichigo avec une espèce de veste polaire. C'est l'illustration que je préfère sur tous les tomes que j'ai. Donc le 49, c'est en fait juste après l'arc Arrancar. C'est le début de l'arc Fullbringer. Et j'adore ce tome. Enfin, l'illustration est magnifique. Et du coup, je suis content que Morita finalement ait quand même le même goût, même si je pense qu'il a choisi aussi parce que Ichigo, hein, évidemment. Hein, on est d'accord. Ensuite, et là c'est ça qui va devenir intéressant, ils ont fait des coops. Donc ils ont fait sur la Jab d'abord, 3 coops. Donc une fois avec la meuf qui animait le truc, et deux fois, et une fois avec un seiyuu à chaque fois, tu vois. Donc ça faisait 3 coops sur la Jab. On pouvait pas participer, hein, moi je joue sur Global donc je pouvais rien faire. Et donc j'ai vu un peu ce qui se passait. Il y avait Tensa d'ailleurs qui était jouable, donc on en a vu des Tensa. Et c'était super cool, ils ont l'air vraiment surpuissants. Et ensuite, avant de passer à la globale, parce que finalement on a eu la chance de pouvoir aussi avoir sur la globale nos moments de coop, avec peut-être la chance de jouer avec eux, il y a eu le gâteau, hein, le fameux gâteau des 2 ans, voilà, enfin ils sont très omedetto et tout ça, tu sais, les Japonais ils sont comme ça. Et du coup, ce qui était super cool, c'est qu'ils ont demandé en fait au Seiyuu de couper le gâteau et le petit Bankai. On a senti le petit Bankai. Ah, vous voyez l'image, je trouve super cool. Là, t'imagines que c'est Ichigo et Izagi qui coupent le gâteau. Enfin, bref. Pour moi, tu vois, moi, je suis un grand fan de Bleach, ça me fait super, super chaud au cœur. Et ça me fait plaisir de voir que bah, j'y joue depuis pas 2 ans, malheureusement, parce que voilà, j'y joue depuis un an et quelques mois. Et je suis vraiment content de l'avoir découvert ce jeu parce que c'est juste une tuerie. Ensuite, cette personne est un peu la personne salvatrice du game pour nous, les Français, parce que finalement, c'est lui qui s'occupe de Brave Souls en français. Il s'occupe d'une chaîne YouTube de K-Lab en français et il fait en fait les résumés des news, etc. Il répond aux questions qu'on peut lui poser. Il s'appelle Mathieu et franchement, il gère. Il gère de ouf parce que c'est un peu grâce à lui qu'on a, on va dire, beaucoup de traductions en français. Il parle en français, anglais et japonais du coup, et grâce à lui, ben, on a beaucoup de choses pour les Français en fait, pour les pays francophones. Et ça, je trouve que c'est vraiment honorable, donc merci à toi Mathieu, tu gères ta race. Et grâce à lui d'ailleurs on a pu faire aussi des coops, hein, parce que je pense que c'est lui qui a demandé si on pouvait faire aussi des coops sur la globale, parce qu'il y a beaucoup de joueurs global. Ils étaient d'ailleurs étonnés de savoir, hein, les Seiyuu, ils ont demandé, hein, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de... Enfin, où sont les joueurs, et puis il y en a partout dans le monde, hein, en Russie, au Brésil, en France. Tout ça c'est la globale, tu vois, c'est fou, c'est fou. Donc on a pu avoir la chance de jouer, malheureusement j'ai pas eu la chance de pouvoir y participer, parce que, si vous voulez en fait, quand ils mettaient la room, ils mettaient pas le dernier chiffre de la room. Et moi, je partais du principe que ça pouvait être, on va dire, bah, je me suis dit, bah, c'est un coup de chance, hein, t'as une chance sur 9 que ce soit le bon chiffre, ou alors que t'es rapide à effacer, à remettre un chiffre. Malheureusement, quand j'ai testé le premier, bah, c'était 8, hein, le dernier chiffre. Moi, j'ai testé tous les chiffres sauf le 8, donc j'ai pas eu de chance. Et pour le deuxième, c'était 9. Et malheureusement, j'ai testé à partir de 5, donc j'ai fait 5, 6, 7, 8 et 9. Et du coup, c'était trop tard, la room était complète. Du coup, j'ai pas eu de chance. Mais c'est pas grave, ça arrive. Et suite au coop, tout ça, on a la Shueisha. Un gars de la Shueisha qui débarque. Et là, forcément, on s'est tous excités. Hein, on s'est mis l'anime revient et tout. Mais bon, la Shueisha, non, la Shueisha, c'est pas ça. C'est forcément quelque chose de au niveau lecture, tu vois. Et du coup, forcément, il va parler des romans. C'est vrai qu'il y avait des romans. Il y a beaucoup de romans qui sont faits depuis quelques années sur Bleach. Et moi, je les ai d'ailleurs. Hein, je les ai achetés au Japon. Quasiment tous. Et en fait, pour l'instant, on en avait deux, donc Spirit Are Forever With You, donc la fameuse phrase de Don Kanonji, vous savez. Il y en avait deux qui sont sortis, je sais pas de quoi ça parle, parce que c'est que japonais, et moi je lis pas le japonais, donc j'ai pas trouvé traduction non plus. Donc si vous trouvez les traductions de ça en français, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Il y a aussi un qui va sortir, je crois, bientôt, ou qui est sorti, je sais pas. Non, je sais pas s'il est sorti, en fait, il est sorti, je pense. C'est Bleach, We Do Not Always Love You. C'est en gros par rapport au mariage entre Rukia et Renji. Donc moi ça m'aurait aussi intéressé parce que j'aime beaucoup ces deux personnages. Et celui qui justement ils sont venus pour faire la promotion, c'était sur Izagi en fait. Enfin, il s'appelle Can't Fear Your Own World, le 1. Donc peut-être qu'il y aura un 2, je sais pas. Et du coup, l'auteur, donc Narita, qui a fait aussi les autres il me semble. Je vais juste vérifier, je pense qu'il a fait les autres. Il va se concentrer sur Izagi, sur l'histoire de Izagi, qui est un personnage très mystérieux mais très apprécié, surtout au Japon. Et on va découvrir dans ce roman son Bankai, et ça, c'est plutôt fun. Donc, supervisé par Tite Kubo, évidemment.
Donc c'est pas n'importe quoi. Et suite à ce moment, on va dire, de promotion de bouquins et tout ça, on pouvait aussi participer à un concours pour gagner le bouquin signé, enfin aussi les deux autres. Bref, ça c'est du surplus. On veut revenir au jeu. Qu'est-ce qui se passera sur le jeu? Donc on aura plein de choses nouvelles, des orbes à foison. On a durant le mois, faut que je trouve juste l'image, 190 orbes recevables durant 15 jours. Donc vous avez en fait 17 jours pour avoir. En fait, vous avez entre le 23 juillet et le 8 août. Chaque jour, vous pouvez obtenir des orbes. Et en fait, si vous loupez 2 jours, c'est pas trop grave. Et vous pouvez avoir à la fin un ticket 5 étoiles. Donc pour moi, c'est juste une scène comme cadeau. En plus de ça, on a aussi un. On va dire, entre le 23 juillet toujours et le 7 août cette fois-ci, on peut avoir la possibilité en fait de choisir un attribut parmi tous ceux qui existent, donc les 5. Vous choisissez une couleur si vous voulez, genre le rouge. Et vous avez parmi les personnages rouges qui existent donc depuis le début, 5 personnages qui vont être proposés. Vous choisissez un des personnages, il sera à level 200, maximisé à fond, tout ouvert. Enfin bref, il est full fait en fait. C'est comme si vous n'aviez pas touché de perso et vous l'avez. Voilà. Moi je trouve que c'est juste assez abusé. Donc moi je sais pas ce que je vais choisir, pardon. Je pense que je vais partir sur du violet ou du orange parce que c'est les couleurs où j'ai le moins. Et peut-être que si j'ai pas Grimmjow sur la step-up, peut-être que c'est intéressant de le avoir là-dessus. Enfin la chance d'avoir là-dessus parce que ça reste une chance. Enfin il y a beaucoup de persos qui existent depuis le début hein, à l'heure actuelle. Donc avoir ce qu'on veut, on peut avoir de la merde, on peut avoir des trucs bien, tout dépend de ce qu'on peut avoir. Ou avoir justement que des trucs bien et choisir un bien parmi ceux qu'on n'a pas. Donc voilà, bah, après vu que j'ai déjà Kenpachi dans les bleus, j'ai pas et j'ai aussi le Dengai, je pense pas choisir bleu, j'ai aussi le Kenpachi vert, le Fullbringer, donc je pense pas choisir vert. Et les rouges, j'en ai beaucoup de rouge, donc je pense pas choisir dans le rouge, c'est pour ça que je pense que je vais choisir un des deux. Et du coup on verra bien. Sur la bannière, donc les Japonais auront le Tensa, le Fullbringer et le nouveau Ichigo 2 ans. Nous, on aura à la place de Tensa le Grimmjow, mais bon ça va très bien, parce que j'ai pas du Grimmjow, donc c'est plutôt cool. Et le Tensa arrivera plus tard de toute manière. Une quête spéciale pour avoir l'objet de la médaille de Zan, tu sais, pour vous booster. Cette médaille, je crois, vous booste 10 ou 15% toutes vos stats, donc c'est pas anodin, c'est sympathique. Et c'est un objet unique, donc autant le tester à l'avoir. Là, les nouveaux persos qui arriveront début, enfin dès août, on va dire, il y aura des tags, plein de tags. Donc on a Muramasa, du Renji, on a du Unohana, on a du Sasakibe. Donc première fois qu'on le voit celui-là, ça c'est super cool de le pouvoir, bah, peut-être l'avoir. Bref, du tag intéressant et surtout la grosse surprise parmi les tags, c'est évidemment Ichigo avec Shirosaki. Enfin moi j'appelle Shirosaki, mais bon, Ichigo Holo quoi, si vous voulez. Bref. Ça va être super intéressant. On verra quand ça va tomber. C'est à partir de août. Donc, on verra bien comment ils vont séparer ça durant les mois. Et surtout, on a la confirmation que 14 teams du dernier arc, donc 14 teams de 3, tu vois ce que je veux dire, vont débarquer sur Bleach Brave Souls. Donc, le dernier arc, l'arc de la guerre sanguinaire de Milan. Enfin, vous voyez, c'est ce manga, du manga en fait, qui n'est pas sorti dans l'anime. Parce qu'il n'y a pas d'anime pour l'instant. On a donc 4 persos qui ont été révélés, vous les voyez à l'écran, donc du Toshiro adulte, Kyoraku, enfin bref, ça fait super plaisir. Et je ne sais pas quand ça arrivera, ils ont dit, je crois, c'est possible fin d'année ou début d'année 2018. Donc à voir, on attend ce que ça va arriver. En tout cas, on est super content parce que ça veut dire que si le studio Pierrot propose les dessins, parce que finalement, c'est eux qui proposent, on va dire, le chara-design animé, tu vois, ils le donnent après à Bleach, bref, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est eux de base, donc ça veut dire qu'ils ont quelque chose, ils ont quelque chose, et je maintiens le fait que, putain, l'anime peut arriver à tout moment, les gars, une annonce quelconque, comme ça, bim bim bim, donc je sais pas si t'attends de voir comment ça va se dérouler sur Bleach, à Brave Souls, avant de voir, peut-être, de se décider à faire quelque chose. Moi, je vous dis, j'annonce un truc. Moi, je pense qu'avant de faire quoi que ce soit comme annonce, ils veulent voir à quel point le film live peut me fonctionner, et suite à ça, peut-être on aura une annonce ou pas. À mon avis, moi je pense que ça va diriger là-dessus parce qu'ils ont déjà on va dire, un projet Bleach. Le studio Pierrot, comme je vous ai dit, ils sont sur Boruto et sur Black Clover en anime, donc pour moi, ils peuvent rien faire. Donc laissons faire les animes là en attendant, et on verra plus tard ce que ça donne, mais je pense qu'il y a moyen. Et grosse annonce aussi. Certains personnages, on ne sait pas lesquels, hein, on va dire les plus emblématiques des films, vont se retrouver également dans Bleach. Bref, Soul, donc c'est super cool, encore des persos en plus, donc ça fait plein, plein, plein de persos en plus, ça fait super
plaisir. Bref, j'ai tout dit, je sais pas quoi vous ajouter de plus, si ce n'est économiser pour la step-up qui va arriver. Donc d'ici demain, je vous le dis, demain 9h, ça commence la step-up. Vous avez chaque jour pendant la période un gratuit, je crois. Donc n'hésitez pas à faire chaque jour la step-up gratuite, en plus de faire la step-up complète une fois au moins. Vous avez, je vous le rappelle, 900 orbes gratuites qui vous sont données, donc vous pouvez vous permettre de dépenser, on va dire, peut-être le double d'orbes, imaginons 2000 orbes, parce que vous allez avoir 1000 orbes qui vont être récupérés, si vous voulez. Donc n'hésitez pas, faites les fous, parce que là, Switchigo, il vaut le détour. Moi, je vous le dis, il y a moyen qu'on lâche toutes nos orbes là-dessus, alors qu'à la base, on était parti sur le Tensa. Mais bon, là, je dois vous avouer que j'ai envie de ce petit Chigo de fou, parce que là, franchement, c'est pas le Chigo de merde. Bref, je vous laisse là-dessus, c'était Pyrux, laisse un gros like, ça me ferait plaisir. À la prochaine, et on soutient la communauté Bleach Brave Soul à fond. Et je suis content d'être un petit peu l'ambassadeur français de ce jeu, on va dire. Et même s'il y en a beaucoup qui font le jeu, hein, il y en a plein qui font le jeu aussi en français. Donc, faut remercier vraiment tous ceux qui font ça. Et j'espère que le jeu ira encore plus loin et qu'il y aura encore plus de grosses, enfin, encore plus de surprises. Enfin, bref, ce serait super cool. Ciao, ouais, c'était Pyrux, à la prochaine. Ciao, ciao.